Les élèves du groupe scolaire Bourdoukoukbanda dans la sous-préfecture de Daïro Didizo ont manifesté leur enthousiasme à l'idée de recevoir leur nouvelle cantine scolaire équipée d'ustensiles de cuisine et de kits alimentaires. L'inauguration de la cantine est un moment de grande joie pour nous. Nous vous promettons de tirer le meilleur parti de cette opportunité. Ils ont aussi reçu des kits scolaires en présence des autorités éducatives locales. Ce geste solidaire, à hauteur de 35 millions de francs CFA, posé par la Fondation CIFCA, a bénéficié de l'accompagnement de la mairie de Guitry. La cantine a été réalisée en une année et effectivement c'est la 15e cantine que nous réalisons. Et c'est vrai que l'intérêt pour nous, c'est vraiment de pouvoir organiser les groupements de femmes pour qu'elles puissent faire et organiser ce jardin potager afin que les enfants puissent manger le produit même de notre travail. Chers parents, je voudrais saisir cette opportunité pour une fois de plus vous sensibiliser sur l'intérêt de scolariser vos enfants. L'école permet de lutter contre les inégalités sociales. La cantine scolaire vient régler un problème, celui de l'alimentation des enfants entre midi et deux. Celui de la sécurité alimentaire des enfants. Scolariser les enfants et améliorer leurs conditions d'apprentissage, une cause chère à la première dame Dominique Ouattara, au patronne de cette cérémonie. Les festivités ont été marquées par la coupure du gâteau célébrant les 10 ans d'existence de la Fondation CIFCA.